tous. Et tous, ils m'ont dit que j'allais être soufflé. Qu'à certain moment, j'allais être soufflé. Mais ils ont oublié que dans le mouvement dans lequel on est rentré là, nous, il y a Dieu dans nos mouvements. Nous là, il y a Dieu dans nos mouvements. Je suis resté à vos côtés. Le député là, son travail, ce n'est pas de trouver du travail pour quelqu'un. Mais j'ai dit une chose. Quand tu veux venir t'asseoir quelque part, il faut déjà faire des efforts pour essayer de travailler comme un maire avant de t'asseoir. Je ne me suis pas focalisé sur le fait que je m'appelle Djaoufoué. Parce que vous m'avez aimé, ce n'est pas à cause du faux boy. Vous m'avez aimé parce que je suis comme vous. Vous m'avez aimé parce que chez moi là, il n'y a pas de défaite. Vous m'avez aimé parce que je suis un couilleur. Donc je n'ai pas utilisé le nom du faux boy pour avancer. Voilà, je ne suis pas comme les autres. Moi là, c'est moi, je me suis construit. Et puis je suis devenu ce qu'on appelle Djaoufoué. Voilà. Ça peut vous dire que ici là, voilà ma maison familiale ici, Sikoji. C'est ici, ici né. C'est ici on a coupé mon cordon ombilical, c'est ici. Il pensait que j'étais un petit choco de Korodi. Donc quand il a commencé là, ils m'ont pas pris au sérieux. Aujourd'hui là, ils ont pris tard. Aujourd'hui là, ils ont pris tard. Parce que le mouvement a pris. Quand le mouvement a pris là, j'ai 2 ans d'avance sur eux. 2 ans. Donc ils ont essayé. Ils ont essayé, ils sont arrivés. Ils ont créé un jeton. Jeton. Ils ont cru que Yopougon, c'était un petit coin comme à Beauville. Ils ont commencé. Ils ont commencé. Ils ont commencé à jouer jetons. Ils ont commencé à jouer jetons. Quand ils donnent 5 millions, quand on partage à sacré à 100 francs, 100 francs. Quand ils donnent 5 millions, quand ils donnent la jacquette, c'est un testant. Ils disent, mais ah, les gens, ils mettent encore. On dit, ah, le jeton que tu donnes, pas bon. Hein. Mais pour que ça prenne la voix, lever 1 milliard. 10 milliards, dit oui. Parce que ici, là, nous, on est beaucoup. Donc pour qu'on puisse sentir que tu as donné là, ça va, ça doit être un ya. Il regarde son jeton. Il regarde. Il dit bon, si enlève un ya là, chacun va avoir combien? On dit si tu enlèves un ya, chacun va avoir 1000 francs. Je ne sais pas. Je ne sais pas si vous avez remarqué dans le mouvement. Je ne sais pas si vous avez remarqué dans le mouvement. Dans le mouvement là. Eux ne se battent pas tout, hein. Tous les mouvements. Figaro, c'est payé. Figaro, c'est payé. Figaro, c'est payé. Figaro, c'est le mouvement. Mais s'ils sont rentrés dans le quartier. S'ils ont essayé de rentrer. Ah, Djaoufoué là. Il rentre ici, il sort, il rentre ici, il sort ici, il rentre ici. Ah, le mouvement, il dit, mais. Ah, il n'a pas plus de jeton que moi. Et à un certain moment, c'est plus le jeton. C'est quand tu coumes là. Les gens te reconnaissent à toi. Mais, comme ils ne sont pas de poids. Ils vont monter, ils vont descendre. Ils ne peuvent jamais courir comme ça. Parce que le temps, on va leur apprendre ça, les élections déjà fini. Donc, c'est pour vous dire, c'est pour vous dire, moi, je suis un Noussia. Parce que, où je suis quitté, pour arriver où je suis aujourd'hui là, je suis quitté dans le feu. Et puis aujourd'hui, mon mouvement a pris.
quand ton mouvement part, tu recules plus. Tu avances seulement. Celui qui se met sur la route, tu le fais tomber et puis tu avances. Et dans le mouvement là, vous voyez, le maire Kafana, il pouvait être maire à vie. Mais je les ai secoués. Jusqu'à il est venu, il dit que lui ne peut plus. Il a envoyé son mercenaire. Il pensait que le mercenaire là, elle me fait trembler. Quand le mercenaire est arrivé, quand il est rentré, au début il est venu à Pierre. Jeté. On n'a rien reçu ici, hein. On n'a rien reçu ici. Jeté. On dit on n'a rien reçu encore. Hein. Là, il est rentré dans son mouvement de CP1, ce gaillot là. Comme ça, il ne parle plus à vous. Il se met au loin et puis il parle. Je vous aime. Et puis, ça va, puis ça va. Je vous dis, aujourd'hui, le combat dans lequel on est engagé, c'est un combat générationnel. Nous devons leur montrer que ici à Yopougon là, nous là, on a assez souffert. Donc, les migmas dans lesquels ils sont entrés là, nous on n'est pas dedans. Donc où on est là, on va les faire tomber. Moi, mon objectif, c'est de faire en sorte que la pauvreté dans laquelle ils nous ont mis là, continue comme ça. Moi, que la pauvreté là, la misère dans laquelle ils nous ont mis là, on va sortir nous tous dans ça. On ne peut pas accepter que les gens vont nous dire que la pauvreté c'est une bonne chose. Regardez la Chine. La Chine là, ils sont 2 milliards d'habitants. 2 milliards. Mais il n'y a pas de chômage là-bas. Comment un peuple qui a 2 milliards d'habitants arrive à gérer le chômage? C'est une seule chose. Ils ont mis les moyens à la disposition de leurs jeunes. Pour que ces jeunes-là, quand ils entreprennent, ils deviennent riches. Et quand ils deviennent riches, ils commencent à embaucher des jeunes. Ils commencent à embaucher leurs frères. La société, ils ont commencé petit, après ça devient 2, 3, 4. Moi, mon objectif là, c'est de faire en sorte que vous soyez la référence et la richesse de Yopougon. Donc, sachez que les moyens là, comment prendre chez les gens, je vais vous donner sans trop de conditions. Parce que c'est les conditions. On met conditions que ouais, il faut que ton pied là, ça la gueule comme ça, il faut que ton pantalon là, ça la gueule déchiré à gauche. Quand on voit que c'est déchiré à gauche, on dit non, on voulait dire droite. Nous, on ne va pas faire ça. Parce qu'on est convaincu que chacun veut changer sa vie. Donc, on doit mettre les moyens. On peut mettre les moyens à 100 personnes. On leur donne les moyens. Dans les 100, même s'il y a 50 qui ont échoué, ils ont quand même essayé. Ça n'a pas marché. Les 50 autres qui ont réussi là, ils vont permettre à tout le monde de s'en sortir. Donc c'est pour vous dire que pour donner là, moi mon cœur, ça ne bat pas. Il y a des jeunes parmi vous qui n'ont pas eu la chance d'aller loin à l'école. Voilà. Elles vont au marché, elles ne s'en sortent pas, elles font un peu. Il y a un projet aussi. Il y a des jeunes parmi vous qui n'ont pas eu à l'école. Parce que son papa est mort, lui qui paye l'école là, il est décédé. Donc personne ne peut financer ses études. Mais la mairie, là, son travail là, quand le papa n'est plus là, c'est la mairie qui l'envoie le papa. Donc nous avons mis un plan en place pour aider les jeunes qui ont envie d'aller à l'école. Une formation professionnelle. Parce que moi, je vous dis, moi, j'ai travaillé dans les mines. Il y a des mécaniciens là. Ils touchent 10 millions par mois, mécaniciens. J'ai travaillé dans les mines. Il y a des souteurs. Ils soutent, camions, ils soutent. Lui aussi touche 10 millions par mois. Donc c'est pour vous dire qu'on va faire de vous des soudeurs, des mécaniciens, techniques d'expérience. C'est-à-dire que quand les gens viennent opérer en Côte d'Ivoire ici là,
On dit, allez à Yopougon, parce que c'est là-bas qu'il y a les meilleurs soudeurs de Côte d'Ivoire. Donc, comment faire venir des gens qui vont vous former, mais les professionnels? Parce que si demain, toi tu es devenu puissant financièrement, mais c'est la commune qui va profiter. Parce que tu es un enfant de Yopougon. Donc la majorité de tes investissements, là, ça sera Yopougon. Donc c'est ce qu'on va faire. Pour les jeunes filles, les mamans qui travaillent dans les marchés et autres, on a votre projet. On va mettre aussi les moyens à votre disposition. On a vu que la vie est devenue chère. Donc on a dit dans notre projet là, qu'on doit payer 10 camions peine pour transporter les choses, pour que les viviers qu'on envoie là, on enlève le prix de transport, ça a devenu moins cher. Comme ça, tout le monde va plus manger. Donc, je vais vous dire aujourd'hui, on est ensemble. Quand vous voulez aller voter, dites aux gens quand ils vont aller voter. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas allées loin à l'école. Vous regardez le bulletin de vote. Le premier, numéro 1, le premier, à votre gauche, vous regardez là. Le premier, non. Vous voyez éléphant. L'éléphant noir. On répond avec moi. L'éléphant. 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 Voilà. Dites aux parents. C'est l'éléphant noir. Si on a choisi l'éléphant noir, notre vie a changé. L'éléphant. 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 Voilà, c'est comme ça. Tout ce qui n'est pas noir, on jette. Donc, chers frères, cette victoire-là, elle aura lieu. Et à partir de Yopougon, c'est nous qui allons donner de l'espoir à toute la Côte d'Ivoire. On va leur montrer que on peut naître à Sikoji et puis être au sommet. On peut être fils de pauvre et puis être au sommet. On peut être fils de pauvre et puis avoir la volonté de réussir et puis réussir. C'est le message qu'on va véhiculer à toute la Côte d'Ivoire. Aïe Pougo! Aïe Pougo! Aïe Pougo! Que Dieu vous bénisse! Merci.